Hey, salut à tous et à toutes, c'est Mia Michel. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra, le jeu de cartes de League of Legends. L'extension est sortie, ça y est, les 120 nouvelles cartes et la région Big Water sont enfin disponibles sur le jeu et on peut tester tout ça. Alors le mode classé est pour l'instant du coup supprimé, enfin il est temporairement bloqué. Le temps qu'ils fassent en fait les petits ajustements, qu'ils préparent la nouvelle saison qui arrive, la sortie du jeu qui est donc du coup dans 2 jours, et en fait c'est encore la bêta pendant ces 2 jours là où on peut tester un petit peu les différentes mécaniques de cette nouvelle extension. Peut-être dans 2 jours il y aura un petit patch correctif sur certains champions ou certains adeptes pour les rendre un peu moins forts ou un peu plus forts, à voir. Du coup, pour cette extension, je vais vous présenter un deck Big Gator Noxus, donc Big Gator qui est cette nouvelle Big Water, cette nouvelle région, et on va jouer une version sans champion, full aggro, full face. Voilà, on va pas perdre notre temps, ça sera tout le temps viable, et avec ça, ça va monter Master très facilement. Alors il n'y a pas de champion, pourquoi? Bah déjà parce que c'est le début, donc craft des champions au début alors qu'on sait pas trop ce que la méta va donner, ça sert pas à grand chose. Et puis de toute façon ce deck n'a pas besoin de champion en soi puisque c'est vraiment du face où on va infliger un maximum de dégâts. Les champions offrent une value que nous on s'en fiche en fait, on s'en fiche, on veut vraiment aller dans la tête, vous allez voir. Alors concernant les nouvelles cartes de cette extension, on va en parler rapidement. On a par exemple le coup de semonce qui pour 0 inflige un dégât au Nexus ennemi. On a le bourreau pas commode, donc une 2-2, qui gagne +1/+1 en pillage. Donc pillage, c'est une nouvelle mécanique. C'est lorsque vous allez infliger des dégâts au Nexus, et bien l'effet de pillage va pouvoir s'enclencher. Attention, c'est à l'invocation, c'est-à-dire qu'il va falloir infliger des dégâts au Nexus ennemi avant de poser votre bourreau pas commode. Vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on va jouer des coups de semonce, des dagues mortelles, pour profiter au maximum de cet effet du bourreau pas commode. Avec ça, on va le coupler de l'arrière-garde de la Légion, un des meilleurs T1 du jeu, la saboteuse qui va infliger un dégât au Nexus ennemi grâce à son talent. Dans tous les cas, même si son talent ne s'active pas, même si elle ne va pas face et qu'elle ne permet pas de coup de grappiller quelques dégâts, son talent permet de faire proc l'effet pillage, par exemple, sur le bourreau pas commode. Avec ça, on a le billardiste déloyal. Alors je l'ai mis parce qu'on a beaucoup de cartes T1 et T0, du coup c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est la nouvelle carte 1-2 qui permet de piocher une carte fugace au prochain tour. Fugace c'est quoi? C'est une carte qui est éphémère en fait, si vous voulez, dans votre main, il faut l'utiliser ce tour-ci ou bien elle disparaît. Du coup je l'ai mis, même si elle n'est pas ultra intéressante, elle permet de cycler le deck. On peut par exemple plutôt jouer peut-être alors l'unisson tortue, peut-être un peu moins, mais plutôt, alors où est-elle? Où est cette carte? Alors je la trouve pas, peut-être qu'elle n'est pas de cette région là, alors autant pour moi. Celle qui est en frappe du Nexus inflige 1, elle doit être Piltover du coup. Bon, du coup c'est, on va garder le billardiste déloyal pour l'instant, à voir après un peu plus tard au niveau de l'optimisation. Je vous le dirai dans les commentaires si je change quelques cartes, mais c'est vraiment tech en fait si vous voulez. Là on est sur une version quasi optimisée d'une decklist face avec Big Waiter et Noxus. Alors on va jouer la disciple écarlate et avec elle on va jouer la diminutionniste impériale. C'est un combo extrêmement fort, donc elle, cette carte, vous la connaissez, lorsqu'elle survit à des points de dégâts, elle va infliger 2 points de dégâts au Nexus ennemi. Et elle, son effet, c'est qu'elle va infliger 1 point de dégâts à une unité alliée pour infliger 2 points de dégâts au Nexus. Donc là, vous avez le combo assez facile, tac tac, du coup, disciple écarlate démolitionniste, et vous infligez 4 points de dégâts. Avec ça, on va jouer une nouvelle carte aussi de Big Water qui est Matelot de la dernière ombre. Donc, quand elle est invoquée, elle va invoquer un baril de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce baril de l'ombre? En fait, le baril de l'ombre va augmenter les dégâts d'une de vos compétences ou d'un de vos sorts de 1 point de dégâts supplémentaire. Donc, ça permet, par exemple, au coup de semonce, à la dague mortelle, de faire un dégât supplémentaire, ce qui est assez intéressant. Le grenadier, toujours pareil, l'optique, c'est vraiment d'infliger un maximum de dégâts. Une petite puissance qui est ici un peu tech pour essayer de faire quelques dégâts de temps en temps. Voilà, c'est un peu... La ferveur noxienne qui est vraiment une carte extrêmement forte qui est arrivée avec cette extension pour Noxus. Elle permet d'infliger 3 points de dégâts à n'importe quelle unité, Nexus comme créature, et va infliger 3 points de dégâts à une cible, donc vraiment c'est ultra fort.
Et avec ça, on a le sauvetage, qui est une carte de pioche de Beekeeper qui va permettre de Big Waiter, qui va permettre de piocher deux cartes. Et son effet passif, c'est aussi de jeter deux cartes de votre deck pour piocher deux. Ouais, vous voyez, donc on s'en fiche de jeter des cartes dans le deck. Nous, on veut vraiment essayer de finir le plus vite possible. Donc ça se jouera pas à ça, vous voyez. Et enfin, on finit avec les dissémations, le sort T5 qui inflige 4 points de dégâts. Alors, on peut faire des petites modifications. On peut par exemple prendre une puissance, l'enlever pour une transfusion ici présente. On pourrait aussi du coup enlever un billardiste pour mettre une transfusion. Voilà, c'est peut-être les modifications que je peux vous conseiller ici. Billardiste puissance, à la place on met deux transfusions. On a beaucoup T2, c'est pas grave, on a beaucoup T1. Voilà, ça contrebalance, ça permet du coup, même si on n'a pas de curve au niveau du T3, de quand même pouvoir jouer des cartes. On peut, voilà, c'est à peu près tout. J'essaye de voir, alors on pourrait, il y a celle-ci aussi comme carte de pioche, bonne pioche, qui permet de placer une carte dans votre main. D'une carte de votre main dans votre deck pour piocher 3 cartes fugaces au prochain tour. Alors je préfère le sauvetage parce qu'elle permet de récupérer directement des cartes dans la main. Maintenant, bonne pioche, si vous voyez que vous manquez de pioche, vous pouvez mettre bonne pioche. Voilà. Je pense pas que ce soit la pioche qui fasse perdre les matchs, puisque en fait, passer le T4, T5, ce deck s'essouffle complètement et si vous n'avez pas réussi à faire les dégâts suffisants, n'espérez pas revenir dans la partie. Vous pouvez sur un. On aurait pu, alors il y a des combos rigolos que j'ai essayé de faire avec Flambeuse de Raven, je vais vous montrer ça je pense dans une vidéo Noxus Big Waiter un peu plus tardif quand j'aurai une version un peu plus optimisée, une version en fait où on va pas face, où on va vraiment jouer le board un peu plus agressif, où il y aura Draven et la Flambeuse, Draven qui permettra de récupérer des haches tournoyantes et la Flambeuse qui permettra de défausser ses haches pour permettre de piocher des cartes fugaces. Et dans cette version, il y aura aussi ce magicien énigmatique qui transforme un allié à un adepte aléatoire d'un coup de 5 de n'importe quelle région. Voilà, donc là je les ai pas mis parce que c'est vraiment une optique face. On y va. Donc il y a vraiment zéro champion. Vraiment zéro champion. Et vous allez voir, ça va gagner. Donc là on est normal. Même si on est normal, je peux vous dire qu'on affronte des gens de niveau qui sont plutôt corrects. Et j'ai pour l'instant jamais perdu avec ce deck. J'ai affronté de la Meul, du Noxus Fresh Lord, du Yonia, du Piltover. J'ai dû faire. Je sais pas exactement combien j'ai fait de game. J'ai dû en faire 4. J'ai fait 4-0, quoi, grosso modo. Alors on y va. Donc au Mulligan, je vous conseille de garder les T1 en priorité. On a le T2 avec le matelot, on va le garder. Et j'ai même gardé la dague qui permettra de comboter avec. J'irai en enfer avec ça. J'ai fait. Ici, donc du coup, la saboteuse. Donc il n'a pas utilisé l'effet pillage, vous voyez. C'est un peu dommage pour lui. Alors on va bloquer. On bloque pas. J'hésite un petit peu à bloquer ou pas. Prochain tour, c'est une attaque qu'on va pouvoir directement poser. On trade sa créature. Je pense qu'il faut pas. Ah oui, peut-être qu'il aurait fallu juste pour l'effet de GP. Ah bah non, vous voyez. Donc là, en fait, on va prendre le trade sur la 2-2. Comme je vous disais, le talent de la saboteuse va permettre de faire proc les pillages. Et c'est ça qui est extrêmement fort. Pauvre petite chose. Voilà. Et là, bah en fait, bon sang. T2 va poser 2-3-3 sur le board. Jamais quelqu'un n'est revenu de ça. Il reste plein de victimes à éliminer. 3 points de vie, c'est vraiment ultra fort. Vous avez commencé. C'est pour ça que le coup de semonce et les dagues mortelles sont assez intéressantes aussi. Alors peut-être qu'on pourra trouver une version un peu plus optimisée où on réduira le nombre de dagues mortelles et de coups de semence. Parce qu'ici on a quand même tout. Bon là on a les 3 à main, c'est pas terrible. Bon l'adversaire s'est rendu. Voilà, je vous l'ai dit, quand on pose 2-3-3 T2, l'adversaire ne peut pas revenir en fait. Donc là on l'a eu. Bon, première victoire. On va enchaîner. On va enchaîner les games. On va faire. Je pense qu'on va faire 3 games. Alors, j'ai pas toute la collection, malheureusement, donc je ne peux pas, par exemple, vous faire des vidéos. Ah, Caligula, c'est un bon joueur, un bon master. Coup de semence, est-ce qu'on va le garder, le coup de semence? Je pense pas. C'est un bon master, ouais. Du coup, je disais, je peux pas vous faire des vidéos sur tout non plus pour l'instant, parce que j'ai pas toutes les cartes, donc il faut que je ferme un petit peu la collection. Pour, par exemple, débloquer la Meule, qui est pas un archétype que je vais beaucoup jouer, mais que j'aimerais beaucoup vous présenter dans les vidéos. Donc il va me falloir farmer un peu pour avoir toutes ces cartes là et pouvoir vous le montrer.
Donc là, on va commencer à faire 3 dégâts. On joue contre Sejuani, Miss Fortune. Donc c'est une version aggro, Big Waiter, Fresh Lord. Alors j'aurais plutôt vu un Fresh Lord Noxus, mais je suis curieux de voir sa version qui va nous sortir ici. Donc là, on va, là vous allez pouvoir voir du coup le combo Disciple Écarlate, Démolitionniste Impérial. Alors là, on va attaquer dans un premier temps. Fuis tant que tu le peux. Vraiment, je pense que ce type de deck, il va faire rager beaucoup plus d'un. Ouais, bizarre cette expression. Parce que il est vraiment fort et il permet vraiment de counter un grand nombre de. S'il ne plie pas, il un grand nombre de decks. Hein. Tout ce qui va être Big Waiter, Fresh Lord, qui aura pas de contre-sort, les decks un peu lents, un peu grid, qui. Ou les decks des profondeurs, tout ça. Pour la gloire de on va le passer par-dessus. Hein. Vraiment. Donc là, c'est le pass turn. Le coup de semence, on va essayer de le garder un peu plus tard. On va pouvoir faire. Ouais, c'est très très fort. Là, par exemple, on va faire double. Ça, c'est nul. C'est parce qu'il va utiliser l'effet de faire pillage en fait. Voilà, alors ça, c'est cancer. Ça, c'est une mécanique où l'adversaire va piocher dans votre deck et deux cartes s'il a pillage. Et là, il est très content parce qu'en plus, on a que du T1 ou du T2. Ah, il va pas le jouer. C'est de la peur. Et en plus, il joue ça, donc recevez un placement de bid. Assez sympa. Donc là, regardez ce tour. J'ai préparé un petit truc. Juste, voilà pourquoi on joue des coups de semence ou des trucs comme ça. Juste. Juste parce qu'en fait, voilà. Pas de soucis, voilà. Et là, c'est quasiment gagné en fait. Là, c'est quasiment gagné. On va faire dissimation. Est-ce qu'on gagne? En faisant dissimation, ferveur noxienne. Non, et on est obligé de faire ça et il va avoir le létal sur deux tours du coup. Mais là, c'est 100% gagné. L'adversaire ne peut absolument rien faire. Il a pas de vol de vie. Ah, bon, il décide de le tuer. Donc, du coup, c'est. Oh, une saison bien propice. De toute façon, il y a un board qui est trop conséquent. Il va obligatoirement prendre au moins 2 dégâts. Si ce n'est pas plus. Mais en tout cas, c'est marrant ce qu'il a essayé de faire avec ses oracles, l'oracle stellaire et les sorts à 0. Donc ça, là, on y va. Vous voyez cette carte, le bourreau pas commode, qui est vraiment ultra fort. C'est vraiment c'est sûrement le meilleur T1 du jeu aujourd'hui. Et donc là, c'est fini en fait. Regardez ce que. Là, c'est fini. Et vous voyez qu'on avait tellement de dégâts à main. Donc vraiment, ça va être un deck pour rush le ladder. Pour passer master. Surtout en début de méta, quand les decks sont pas très stables au début, on croise un peu tout. Et tout n'est pas tout à fait optimisé. Ce genre de deck, c'est ultra fort. Et souvent, on dit que dans les decks post-extension, les decks ultra forts, c'est les decks aggro. Et les decks qui sont top 1, c'est les decks contrôle qui ont réussi en fait à contrer cet aggro là. Allez, dernière petite game. Donc là, il est 21h. C'est sorti depuis à peu près 1h30, 2h, je pense, l'extension. Donc là, ça fait 1 heure que je joue, moi perso. Du coup, cette vidéo-là, elle est sortie le lendemain. Ou peut-être le surlendemain, ça dépendra. Tac. Pourquoi? En fait, c'est juste une question de référencement. Alors, regarde la Légion, billardise déloyale ou coup de semence. Alors ça, faut l'enlever. Vous voyez que la puissance, finalement, est pas, ouais, elle est quand même intéressante, mais... Ça, je vais l'enlever. Je préfère l'avoir un peu plus tard dans la partie, celle-ci. Ok. Oui, au rapport. On va pas se turn. On va pas attaquer parce qu'on va pouvoir la gérer cette dague. Donc lui il joue Katrina Jinx. Ok, donc Katrina c'est pas fou.
Ah, par contre, région deck, ils nous counter bien. Ça, en fait, ces araignées là, elles sont plutôt embêtantes. Et on n'a pas une sortie anti-araignée. Enfin, on n'a pas une sortie. On n'a pas une sortie pour ne pas passer par le board. Donc, ça risque d'être compliqué cette partie. Peut-être la première défaite pour ce deck. Et les coups de semence, faut peut-être pas les garder si on n'a pas le T1 du coup. Laissez-moi vous montrer ce que je peux faire. Quand même ça, contre les araignées, c'est plutôt où fort. Bon, je suis prêt. Là, on y va, parce qu'il est obligé de, il est obligé de tuer sa 2-2. Et du coup, il a le boost 2 d'attaque. Ouais, il doit l'avoir, il va le poser ici et ici. Donc, prochain tour, on va prendre cher. Ah, il a peut-être pas. Il a pas. Ok. Donc là, par exemple, les transfusions ont été caviar. Et de plus en plus je regarde mon deck et plus je vois ma courbe, plus je me dis que transfusion va être extrêmement forte vu qu'on n'a pas de T3. Oh, c'est un peu dommage. On n'a pas grand chose à jouer, ça c'est des cartes qui vont comboter en fait. Qui est prêt pour l'hécatombe ? On va passer. Alors je vais enlever une dague. Ah, c'est perdu. Monsieur a été plus aggro que nous. Parce que même vous voyez qu'on n'est pas si loin de gagner hein. Au rapport. Parce que là on lui inflige 4 dégâts, il a 10. Il est à 9 avec le coup de semence. Bon c'est. Une seconde. C'est perdu mais. On va rajouter les transfusions. Bon, je suis prêt. Alors, du coup, version 2. Version 2, parce que ça me semble assez fort de pouvoir profiter. Alors, combien on a de T1 9. Les araignées sont aussi. C'est assez intéressant aussi. Puissance, on va l'enlever et on va mettre 2 transfusions. Voilà, après, c'est tout ça. Là, les. Mini modification que je fais en fait, ça dépendra de vous et de votre style de jeu. Si vous préférez jouer avec des transfusions, jouez avec des transfusions. Si vous préférez jouer avec des haches qui vont donner plus d'attaque, jouez avec des haches qui donnent plus d'attaque. Ça va pas changer grand chose, j'ai envie de dire. Ça va changer certains match-up. Mais c'est tout. Du coup, là, on enlève tout. Et là, regardez, coup de semence, bourre comme pas commode, c'est juste ultra fort en fait. Ce genre de truc, on adore. On pourrait aussi jouer, si vous voulez, de la pioche avec la carte qui va faire piocher un pillage des cartes du deck adverse. Vraiment, ça peut être ultra fort aussi. Sans moi ça peut être ultra fort et ça dépend de l'optique en fait. Pas de trésor pour les morts. Oula, il décide de pas défendre. J'aurais défendu moi à ta place, Coco. Hop. Donc là, c'est bien. Au prochain tour, on va pouvoir poser une carte fugace. On passe turn. Donc, tu vois, un T1 qui est fugace. Parfait. On pose. On continue à poser du board là. Allez-y. Ce genre de deck, ça va contrôler via une gestion des sorts. Les monstres marins, c'est quelque chose qui est très late. Donc ce genre de deck, il gagne à 100% monstres marins. Et là, c'est parti. Et regardez les dégâts. On était 3. Ils sont passés. On a juste perdu contre un deck aggro qui est mieux sorti que nous.
Mais je pense que son deck est vraiment moins optimisé que le nôtre, hein. Y a pas photo. Oh, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Voilà. Allez, une dernière et on se laisse sur cette. On va se laisser là-dessus. J'ai un peu du mal aujourd'hui avec. À parler. En fait, je joue ça aussi, ça me permet de rush le Big Waiter pour l'XP en fait aussi. C'est des parties qui sont très rapides et ça me permet de me faire monter ma barre d'XP. Alors, je reçois un petit message, attendez. Hein. Je suis désolé. Ça c'est bien, et ça c'est bien. Alors c'est un T1, même si on n'aime pas trop le poser T1, on va peut-être le poser T1. Alors on va y aller pour Opaco Mode. Rien ne vaut l'odeur du sang et de la sueur. Donc apparemment Riot fait, fait une une opération commerciale en offrant des subs à des gens qui streament. Laissez-moi vous montrer ce que je peux faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'étais pas très concentré. Cette 2-3 là est un peu embêtante. On va faire ça, on va poser le baril, il peut pas gérer le baril lui. C'est pas ton truc, hein. C'est mon tour. Alors. Ah mais c'est la vulnérabilité le baril, je suis bête. My bad. Bon de toute façon on est bien content qu'il meure le baril. Il bloque. Ouais ça va bien. Il a bloqué 2 dégâts le baril. Finalement c'est pas mal. Donc on va commencer par faire ça. Une affiche est égale là-dessus. Rappelons-leur quelle est leur place. On fait 2 dégâts, on déclenche l'effet piège, on va pouvoir poser piège. J'ai mes ordres. J'imagine que tu veux ta part. Ah, et j'imagine que t'es du genre solitaire. Je peux le faire. Pas de trésor pour les morts. Et là, on y va. On va attaquer. Ça permettra de prendre des trades. C'était déjà là. Regardez les dégâts. Alors, il décide de pas tout trade. En fait, tous les values négatifs, il les a pas pris. Il est pas allé défendre. Je pense que c'est un petit misplay de sa part. Là on a l'étal quoi. On a 6, on a 9 dégâts. On a 9 dégâts, donc maintenant il faut vraiment temporiser un maximum. On a cette carte qui va nous permettre de piocher, sauvetage. Très intéressant. Une seconde. Donc nous il y a seulement celle-ci. Alors c'est un peu dommage parce que les trades étaient pris positivement partout. Alors cette 2-2 on va la défendre, on va défendre le débutant avec. La 3-3. Hop là. La 3-3, n'importe. Bah, celle-là, la 2-3. Alors, lui, il joue Swain. J'aime pas beaucoup Swain. Vous voyez qu'elle fiche 3 de points de dégâts au Nexus ennemi. On frappe du Nexus. Et après, il faut avoir frappé plusieurs fois le Nexus de façon hors combat pour profiter de son effet. Donc, c'est beaucoup trop tardif pour un deck aggro. Enfin, un deck face. Pour petite chose. Votre chemin s'arrête ici. La route est fermée. Donc là, on fait ça. On prend cher quand même. Il peut gagner. Il peut gagner quand même ici. Il faut y aller. Attention. On va devenir riche. Donc là, on attaque direct.
S'il y a un dégât qui passe. Je me place bien en vue. Ok, deux dégâts qui passent. Non. Donc c'est pas mal. Le devoir, l'empire. Ok. On va faire sauvetage pour essayer de récupérer quelques dégâts. Il manque un dégât pour finir la partie. Ok, on est bon. Vous êtes du genre à jouer à la loyale. On est bon grâce à la dague mortelle. Et donc du coup là, il faut bien jouer. Il va falloir déclencher tout ça prochain tour. Alors on pose ça, parce que sur une dague, il peut nous gérer ça. Ok, et du coup, on fait ça, ça. Donc on perd quand même sur quelques trucs, hein, quelques trucs qui nous font perdre. On pouvait pas faire décimation, malheureusement. Votre chemin s'arrête ici. Donc il peut pas bloquer, donc... Attends un peu. Donc là, il faut tuer celle-ci pour ça là. Et là on bloque. Voyons ça. Est-ce qu'il a une sorte de dégâts pour gérer notre une de nos créatures pour pas perdre? En même temps, c'est une sorte de dégâts, il met face. Hein. Et du coup, c'est gagné. On a gagné. Et vraiment, ce sort qui est ultra fort. Hein. Celui-ci. Voilà, j'espère que cette du coup, j'espère que cette présentation de ce deck vous a plu. En ce qui me concerne, du coup, je vais du coup vous laisser et peut-être partir en stream. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.